Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait un tuto make-up, c'est le maquillage que je porte le plus souvent en ce moment. Je l'adore, je le trouve vraiment très joli, je trouve qu'il met mes yeux en valeur. Je l'ai fait avec la Naked 3 de chez Urban Decay, j'ai eu cette palette pour mon anniversaire, j'avais tellement envie de vous faire un maquillage avec. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et je vous ai proposé plusieurs couleurs de rouge à lèvres pour aller avec ce make-up en fin de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai déjà fait mon teint, c'est le même, les mêmes produits que j'utilise toujours, donc je n'allais pas vous le monter une énième fois. Et donc je commence avec ma base à paupières, c'est celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance, que je mets partout sur ma paupière mobile ainsi qu'en dessous. Ensuite je viens prendre ma palette Naked 3, j'adore cette palette, elle est vraiment trop belle et on peut vraiment l'utiliser tous les jours. On peut faire des maquillages légers comme des maquillages un peu plus travaillés. Donc je prends un fard beige très clair que je mets sur toute ma paupière mobile et ensuite je prends un fard mat un peu rose clair que je viens mettre dans le creux interne de mon œil. Ça va permettre en fait de creuser un peu le creux de paupière que moi j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà en fait les paupières qui tombent, donc on voit pas tellement mon creux de paupière, mais en fait je trouve que ça vient bien définir l'œil et en plus après on va avoir moins de mal à estomper les fards entre eux. Ensuite je viens prendre le fard le plus foncé de la palette qui est un marron avec des paillettes. Je viens le mettre en coin externe de mon œil avec un pinceau précis, ensuite je l'estompe. Je reprends ensuite le même fard mais avec un pinceau fin que je viens appliquer au niveau de ma paupière inférieure. Ensuite avec un pinceau très fin, je viens prélever un rose clair pailleté très lumineux que je viens mettre en coin de paupière pour illuminer mon regard et ajouter une petite touche de clair et de lumière. Je viens prendre mon crayon noir de chez Unique que je viens mettre dans ma muqueuse inférieure. Vous pouvez mettre de l'eyeliner si vous préférez ça. Moi pour ce maquillage j'avais pas eu envie de le mettre. Ensuite je viens recourber mes cils et j'utilise le mascara de chez Lancôme, c'est le Hypnose Drama. Je ne sais pas s'il existe encore, je sais que j'en avais encore un échantillon donc je l'ai fini, j'ai voulu le terminer et j'adore ce mascara, il fait vraiment des cils de fou et c'est comme si j'avais des faux cils alors que j'en mets pas. J'aime beaucoup ce mascara, il est vraiment très beau, il a tendance plutôt à faire des petits paquets, donc si vous n'aimez pas les mascaras qui font des paquets ou qui font un peu comme des pattes d'araignée, passez votre chemin, vous n'aimerez pas celui-là, mais personnellement moi j'adore l'effet que ça donne. Pour le premier rouge à lèvres, j'utilise le Rio de chez Lime Crime. C'est un joli nude qui tire un petit peu vers le rosé pêche que j'adore, je l'utilise tout le temps en ce moment, c'est un mat. Ensuite, j'ai utilisé le 614 de chez Kiko, c'est un beau prune qui tire un petit peu vers le rouge, je trouve, qui est vraiment magnifique. Ensuite, je vous l'ai mis avec un beau rouge, c'est le Ruby de chez Too Faced. C'est un melted et vraiment, j'adore ces melted, je trouve qu'ils sont faciles d'application. Ils tiennent vraiment longtemps et pareil, c'est un fini mat pour cela. Et voilà, le tuto make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'avez pas la Naked 3, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre palette qui a des couleurs similaires à celle-ci. C'est pas du tout obligé d'acheter la Naked 3 parce que vu son prix, franchement, je vous ne dirai jamais d'aller obligatoirement acheter cette palette. Moi, je l'ai à mon anniversaire, donc j'ai eu de la chance. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Parce que je sais qu'on a toutes des goûts différents. Donc je me suis dit que mettre plusieurs positions de rouge à lèvres, ça pouvait convenir à un certain nombre d'entre vous. J'espère que cette façon de faire va vous plaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.